J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va. Je vous fais une vidéo d'un partenariat. D'un des partenariats que j'ai eu avec Mitophasia. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième partenariat. Je vous ai fait l'unboxing et du coup, ben, j'ai préparé les diamants de mon côté. Donc, voilà, c'est cette image, c'est une 40 par 50, 39 couleurs, diamant carré. Donc, je n'ai pas pris le rangement de Mitophasia, vu que j'ai que 30 contenants et que j'ai 39 couleurs. Je suis désolée de faire une bruit, mais je vais enlever le chauffage. Donc j'ai pris les boîtes Tic Tac et j'ai des restes d'ailleurs que je vais mettre avec vous dans mon petit sachet. Je regarde parce que tout à l'heure j'ai fait une grosse boulette. Oui, j'ai fait prendre d'autres diamants en guise de réserve pour ce diamant painting. Alors, désolé pour le bruit, ça j'y rangerai après. Voilà, ils nous les envoient dans des sachets comme ça. Donc moi là, c'est mon deuxième qu'il va falloir que je nettoie parce que j'ai écrit au marqueur indélébile, mais bon, avec un coup de savon ça partira. Je vais mettre dans mon vieux sachet là. Je vais essayer de ranger correctement. Alors, ça va prendre quelques minutes. Hein. Donc, pendant ce temps, je vais vous parler un peu de la boutique Mitophasia. Donc, la boutique Mitophasia, ils ont deux boutiques, une en Allemagne et une en Irlande, si je... Non. Non, pas en Irlande, je sais plus où. En Irlande, voilà. En fait, je sais pas pourquoi je m'embête à les plier comme ça, vous savez quoi. Hop. Oui, j'y mets en bazar, moi. Je m'embête pas. Là, et voilà, mais j'ai failli me faire tomber. J'ai encore un petit sachet dedans. Là, et donc ça fait quand même une grosse quantité de diamants. Alors, je sais pas si je vais tout utiliser, je ne sais pas. Désolé. Voilà ce que ça nous fait. Hein. Donc pour ça, c'est bon. Donc voilà. Je vous ai montré ça. Je vous ai montré ça. Ça tourne. J'ai froid, je suis désolée. C'est pas que je suis malade. J'ai très très mal au cervical. De base, je voulais pas la faire la vidéo aujourd'hui, puis je me suis dit, si, il faut quand même que tu honores ton partenariat. Donc, attendez. Donc, on la regarde comme ça, hein, vous voyez. Hop. Je vais l'enrouler dans l'autre sens. Donc, chez Mitophasia, vous voyez, c'est à base d'huile, la toile qui est faite, c'est de la colle coulée. Qui colle très bien. Je vous ai fait l'unboxing, mais... voilà. Donc oui. Mitophasia ont deux boutiques. Ils font différentes DP. Alors ils font que du diamond painting. Il n'y a pas de point de croix, de point noué, de... Voilà. Ils font vraiment que du DP. Et du coup...
Ils font des DP mystères, des DP de différentes catégories. Alors, je vais juste me pousser ça. Des DP personnalisés. Alors, des DP, c'est le Diamond Painting. Des Diamond Painting personnalisés. Les accessoires DP, voilà. Ils sont en collaboration avec différents artistes. Oui, ils ont des toiles, des DP qui sont pas licenciées. Mais moi, comme je vous dis tout le temps, je m'en fiche. Pour tout vous dire, je n'ai pas du tout les moyens de m'acheter des toiles de chez Diamond Art Club. Voilà, tous ces sites comme ça, hein, donc moi, je m'en fiche. Donc là, est-ce qu'on voit même pas ce que... Attendez, je vais bouger un peu. Donc vous voyez, hop. Vous voyez, là, ça fait un petit pli. Donc moi, ce soir, ce que je vais faire quand je vais avoir préparé la toile... Et on va commencer un peu dessus. Je la mettrai sur quelque chose de lourd, comme ça, ça permettra de bien l'aplatir. En washi tape, du coup, je vais utiliser ces deux-là. Ils ne proviennent pas de chez Mythophasia, c'est moi qui les ai achetés. C'est de Mythophasia, il m'en reste encore quelques-uns. Mais là, oui. Donc, les symboles sont très bien. Oh. Je ne sais pas comment ça fait ça. Donc voilà. Donc, voilà comment je fais. Hop, je mets vraiment. Finalement, j'ai une ligne noire. Et en fait, il suffit de mettre contre cette ligne noire. Je suis désolée, vous risquez d'entendre mon chien aboyer. Je vous tourne la vidéo. On est le 10 janvier. Oui. Ma mère, je vous la tourne tard. Il est 17h, voire même 17h passé. Parce que j'ai fait mes devoirs. Je devais aller au dentiste. Mais étant donné que j'ai mes cervicales fracassées, j'ai ma mère, je n'y vais pas. Je n'ai pas envie de... ressembler à je ne sais quoi ce soir et demain. J'ai pas assez de place, ça m'énerve. Elle est grande cette toile, je pense que je la roulerai et je ferai les sections au fur et à mesure. Là, vous allez pas voir ce que je... Hop là. Donc voilà, un petit chien qui arrive. Oh non, j'ai eu peur. Il y avait du S là, je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Bon, alors puisqu'il est fini, hop, on va pas s'embêter. Donc je vais continuer avec celui-là, puis après j'en rattraperai d'autres. Donc voilà. Donc ouais, et franchement, Mythophasia, je les remercie mille fois. Je crois que mille fois c'est pas assez. Parce qu'ils m'ont dit oui tout de suite. Ils continuent les
On continue notre collaboration. Enfin, pour l'instant, on continue. Jusqu'à présent, on a continué. J'espère qu'on continuera tout encore. Ah, je sais pourquoi. Non, voilà. Alors moi, j'ai un toc, c'est que quand je mets le washi tape, je regarde toujours que ça aille pas sur les... Et sur la colle, là, sur les symboles. Là en bas, vous voyez où c'est leur Facebook et leur deux. Et le drapeau de leurs deux pays où ils sont, donc en Allemagne et en Néerlande. Voilà, j'ai froid, j'ai des frissons. Mais bon, ça va passer, c'est rien. Alors, je vais juste mettre ce côté correctement avec moi. Ma règle. On peut faire ça, ça me fait mal. Mais bon. Hein, je ne fais pas assez de vidéos pour me plaindre. Donc, mets bien leur papier, Métophasia. Mon chien aussi, il a froid, il s'est mis dans les couvertures. Désolé, le bruit. Ouais, les couleurs sont magnifiques. Hop, on va s'arrêter là. Donc après, on va faire je vais papoter un petit peu avec vous. Cette première vidéo, donc ça sera comme le premier partenariat, je vais faire plusieurs vidéos, chaque semaine je fais une vidéo. Et moi j'avancerai de mon côté, hein. Ce côté c'est fait. Et après ouais, on fera pas tout le quadrillage, on fera juste une ligne et le reste je vais m'envoler parce qu'elle est immense. Parce que c'est une vraie 40 par 50, hein. Et ça colle très bien. Ah mais non, pas sur les symboles. Bon, donc c'est comme ça, je le réenroule et je reprends depuis le début. Ah non. Là, au-dessus de l'autre. Voilà. Oh, mais ça m'énerve. Bon, je le mets, je vous reprends après. Donc voilà, j'ai remis le... J'ai réussi à mettre le washi tape. Donc on va faire une ligne, déjà. Donc avec le washi tape. J'essaye de faire en sorte que ce soit sur une ligne et pas sur les symboles. Enfin, pas sur un symbole. Hop. Et
fait des sections assez larges, hein, comme vous pouvez le voir. Donc avant de commencer, je range mon bazar. Ça. Là-haut, sur les trucs. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Non, j'en ai plus besoin. Je vais mettre ça. Je suis désolée, je suis un petit peu brouillon. Mais c'est pas grave. Et les couleurs, on va les ouvrir. Tac, tac. Je vais vous montrer avec quoi je vais travailler, du coup, mon matériel. Donc ça, c'est pour mes déchets. Oups. J'ai oublié de le ranger, mais je le rangerai après, c'est pas grave. Ça, c'est ma cire, hein, la cire rose pour le stylet. Un cutter basique, hein, lambda. Ma barquette de chez Home Fun. Et. Une pince. Voilà les pinces à bout pointu. Hop. Avec les carrés, j'en prends tout fond et j'ai froid, les amis. Un cover minder, je n'ai pas de lien. Pareil pour la pince. J'ai pas de lien, c'est... comment ça s'appelle? Alors, tu me diras si je me trompe, Emma, mais il me semble que c'était toi qui me l'avais envoyé. Donc, voilà, j'ai mes folies d'Emma. Et en stylet, lequel d'après vous j'ai pris? Est-ce que j'ai pris celui où il y a la cire orange pour les grosses traces, ou est-ce que j'ai pris celui qu'ils m'ont offert? 5, 4, 3... 2, 1, tadam! Et j'ai pris celui-là parce qu'il a une précision très très bien. Donc ça, c'est de la cire. Hein. Et moi, je m'en sers pas. Moi, ça fait une décoration. Oui, ça j'en ai parce que c'est un homme qui se réveille là. Puis ici, je voulais quelque chose à ma petite maman. Je parle de mon chien. Donc, pour vous, hop, je vais vous faire une petite vidéo. Le cutter. Alors, je vais couper comme ça. Car celui-là, j'aimerais le garder intact pour faire d'autres sections quand j'aurai fini celle-là. Normalement. Je ne bouge pas par qui de là. Je sais pas si ça va m'en avoir coupé ou pas. Voilà. Non, ça n'a pas bien. Mince, c'est pas là que je voulais couper. Est-ce que là, cette fois-ci, c'est bien coupé? Parce que je vais pas y rester non plus. Oh, j'aime pas quand ça fait, quand ça commence comme ça. Ben non, pas. Alors, on est tous décomposés, le truc là. J'ai mal coupé en fait. J'ai peur de forcer en plus, c'est un truc de fou. Mais pourquoi ça se coupe mal? Je comprends pas.
je comprends pas pourquoi ça me fait un tel bazar. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? En général, quand ça fait ça, moi, je vais voir. Alors, c'est pas le papier, c'est moi qui m'y suis mal prise, hein. C'est tout, c'est moi qui ai fait de la... Bon. Donc, c'est la cata de chez la cata. Bon, j'ai enlevé le papier, hein, de toute façon. Donc, je vais pas trop le choix que de faire comme ça. Je vais me brouiller le papier, là. Regardez-moi, il se décompose. Alors, j'espère que c'est le papier qui est de moi. Que c'est pas moi. J'espère que c'est pas le papier. Je veux dire, lui, j'arrive pas à parler. C'est très chiant aussi. Aïe, aïe. Je vais me couper en plus. C'est pas ma journée. Je me suis pas coupée, puisque genre là. Pour ça, hein, je le dis. Pas tout le temps parce que ça me paraît tellement évident, mais si vous utilisez l'écouteur qui est des enfants, s'il y a des enfants, c'est papa maman qui utilise l'écouteur. Est-ce que j'ai du 1? Non, j'ai pas de 1. J'ai pas de 2, j'ai pas de 2, 3, j'ai du 4. Donc. Ouais, je compte. C'est complètement d'autres, mais. Donc, le 4, c'est cette couleur. C'est du 316. On va regarder comment ils sont. Les diamants. Bon, en général, ils sont top. Hein. Et puis, ils brillent de mille feux. Regardez comme c'est joli. Après, je les ai pas alignés. Hein. C'est pour ça qu'ils sont un peu de travers. Voilà. Et ils brillent. De mille feux. Alors, est-ce qu'il faut que je mette de la cire là-dedans? Alors, j'utilisais de la cire bleue. Je l'ai jetée. M'énerver, j'arrive pas à m'en servir. Voilà. Elle est partie à la poubelle. J'ai mal au cervical, les amis. C'est pour ça que j'échappe tout de la main droite, parce que c'est en côté droit que j'ai mal. Donc, allez, hop, le numéro 4. Donc, on va voir comment il se place, comment. Voilà. Ça a l'air bien. Ben, écoutez, hein. Ça a l'air super. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est super. Hein. Je dis pas ça parce que je suis en partenariat, vous savez que je vous dis ce que je pense. Juste moi qui ai une pose un peu merdique parce que j'ai mal partout, que j'ai mal au cervical. Donc j'ai une pose merdique, mais sinon ça se pose très bien. Vous voyez pas trop là. Voilà. Je vais essayer de vous. Je vais vous tourner comme ça, vous serez peut-être mieux.
Non, mais c'est une pause qui est très bien. Vous voyez, hein, chez Mitophasian, c'est pas la peine d'aller chez Diamond Art Club. Enfin, pour moi, je sais que. Donc, voilà. Je pense pas que je vais vous garder longtemps pour cette vidéo. Parce que j'ai un peu mal de partout. À mon avis, ça ne doit pas être loin de 18h30. Ma mère va m'appeler pour me dire je suis dans le train. Parce que elle est pas. Elle travaille, hein. Elle n'est pas chez moi. Ensuite, non, je vous ai parlé de Mitophasia. Mais oui, ils sont très bien. Alors, ils sont en collaboration notamment avec une artiste qui s'appelle Elvira Clément. Je n'ai toujours rien trouvé sur elle. Va falloir que je demande à Mitophasia. J'ai. Donc voilà. Sinon, mais rien de neuf. Je tourne cette vidéo, comme je vous ai dit, le 10 janvier 2023. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, cette semaine, la semaine commence juste. Mais moi, alors hier, j'ai été voir un anesthésiste parce que c'est pas une opération que je vais avoir, hein, vous inquiétez pas, c'est rien de grave, de voilà. Tout simplement parce que je vais passer une gastroscopie. Et que normalement c'est censé être sans être endormi, mais moi j'en ai déjà passé une et je sais ce que ça. Et j'ai trop souffert, donc non merci. Donc voilà. Donc on a fini les 4. On va faire les 5. On va faire les 6. Hein. Peut-être pas tout faire ensemble, mais. Non, mais c'est très bien. Oui, j'ai toujours ces petites boîtes Tic Tac. Là, moi, je m'en sers. Hein. Malgré qu'il y en a qui soient à moitié mortes. Hein. Mais bon. Hein. Je veux dire, tant que je peux m'en servir. Parce que de toute façon, j'ai plus que ça. La valisette, elle est prise. D'ailleurs, je vais vous en parler après, concernant ce qu'il y a dans ma valisette. Et j'ai 2-3 boîtes de chez Mitophasia de rangement et une que je me suis prise sur AliExpress ou Shein. Ou Shein, je sais. Donc, oui. Ce qui va se passer, c'est que comme vous le savez, j'ai mon diamond painting personnalisé sur. Dans ma valisette qui m'attend parce qu'il est pris hein. Donc après celui-là oui je vais faire du carré pendant un petit moment un long moment je compte faire ma toile vierge après si je peux m'en commander une en rond mais bon. Et après j'ai une nouvelle activité qui arrive vous en parlerai aussi un petit peu. Donc voilà. Il faut que j'honore les partenariats avec Mitophasia. Voilà, j'ai des DP, j'en achète pas ce mois-ci. Si je mens ce mois-ci, j'en ai acheté un hier. De DP. Mais ça faisait des mois et des mois que je le voulais. Donc, et sinon, la nouvelle activité que je vais faire, c'est du point de croix. Non, je vous l'avais déjà dit, on avait fait ensemble dans une autre vidéo. Je sais pas si je vous l'avais mis. La vidéo, je ne sais plus. Donc, voilà.
Ensuite, cette semaine, alors aujourd'hui je devais aller au dentiste, mais j'ai le cou qui me fait un mal. Je n'y suis pas allée. Demain, demain j'ai des trucs à faire en ville parce que la semaine dernière j'ai cassé le téléphone de ma mère, donc il fonctionne encore. Hein. Mais vu que la drone en prendra, on en a trouvé un pas cher avec ses prix des points, mais avec son forfait. Du coup, on l'a commandé sur internet et normalement elle est censée le recevoir demain, mais elle est travaille donc. Demain matin, elle travaille et demain après-midi, elle n'aura pas le temps. Donc, je vais aller chercher demain matin. Comme ça, moi, demain après-midi, je m'en occuperai. Tout lui mettre et tout. Je dois peut-être aussi aller chercher un colis demain. Au relais. Au mondial relais. Au magasin à côté de chez moi. Donc je vais vous dire ce que c'est ce colis, c'est du point de croix. Je ne ferai pas d'unboxing de point de croix. Vous ne verrez pas de vlog point de croix tant que... Parce que je suis débutante. Et non, je ne veux pas qu'on se fiche de moi. Donc, des fois dans les vlogs, des diamond painting vous en verrez. Mais si j'en avais du 1, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et jeudi, ouais. Et jeudi, déjà ma mère, il faut qu'elle me corrige mes devoirs d'anglais. J'aimerais bien qu'elle me le fasse demain, comme ça, jeudi matin, j'envoie mon devoir d'anglais. Jeudi après-midi, ma mère ne travaille pas. Jeudi soir, on sort avec ma maman. On va pas loin. Hein. On est invité au vœu du maire de notre ville. Donc on va y aller. On va pas l'avoir 21h15 parce qu'après il y a le buffet. Voilà. Et la mère a envoyé à tout le monde, hein, une invitation, donc on va y aller pour écouter ce qu'il va dire, poser des questions, voilà quoi. Après, alors ce que vous voyez, ça c'est des, c'est pas des rivières, hein, parce que c'est rare qu'on en ait, faire de la colle coulée. C'est des bulles d'air, mais ça craint rien. Donc, voilà. Vendredi, ma mère travaille toute la journée. Et moi, en général, le vendredi, c'est ma journée. Où je fais du DP, je fais rien comme ménage. Ouais, parce que je fais du ménage, mais moi, je l'ai fait hier. Ma mère, elle aussi, hein, je lui ai dit, moi, le vendredi, je fais pas le ménage, je fais rien, Après, je dis ça, mais des fois, la plupart du temps, j'en fais. Je ne reste pas toute la journée à faire du diamond painting. Voilà. Après, à moins qu'elle me dise d'aller faire des cours. Non. Non. Il n'y aura pas d'aller faire des courses, puisqu'il faut attendre samedi pour faire des courses. Parce que ma mère s'est commandé un nouveau frigo. Je vous ai fait bouger, vous avez l'habitude. Voilà. Alors, vu que c'est moi qui j'aime bien faire les commandes. Donc, voilà. Et de base, on devait la prendre chez Darty. Je commandais tout. Et j'avais pas lu en bas dans le descriptif de ce frigo que c'était un mini frigo. Alors, il y avait le congélateur en bas et tout. Parce que non, c'est ce qu'on recherche. Mais c'était un mini frigo, quoi. Et du coup, pour annuler, c'est la... Alors, c'est annulé, je ne recevrai pas le frigo. Mais vu que ma mère voulait faire en 4 fois sans frais, et ben
c'est une galère monstre pour se faire rembourser les 90 euros, je crois. Pour qu'elle puisse se faire rembourser. Ouais, c'est comme d'habitude, hein. Quand c'est nous qui demandons de l'argent, on sait nous envoyer les huissiers, les machins, et tout, mais quand c'est les entreprises ou autres qui doivent, oh ben non, on va prendre notre temps. Hein. Donc voilà. J'ai 35 minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur ce DP. De toute façon, je fais que ce DP, moi aussi, je fais DP par DP, j'en fais pas 36 000. Et je vous ferai des tags. Donc, voilà, j'ai deux vidéos à monter là. J'ai celle-là et j'ai la revue du DP précédent. On va se dire pourquoi tu n'as pas fait en vidéo la préparation des diamants. Alors pourquoi? Tout simplement que je vous en mets quand même beaucoup des préparations de diamants. Je crois que je viens de DP, on fait une préparation ensemble. Que là je me suis dit, en vrai j'avais la flemme de tourner, mais une flemme. Donc voilà. Après, un mytho phasia, si vous voulez que je fasse la préparation des diamants, vous me dites et puis je la ferai, mais bon. Du coup, là, j'ai encore deux DP de mytho phasia. J'attends mes deux DP. Deux DP, j'attends. Il y en a une encore là, il n'a pas bouché depuis le 4 janvier, donc il est encore loin. Donc voilà, moi je pense que je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer, j'ai mal au cou. Je vais vous montrer ce que ça fait de plus près. Vous savez que je fais tout le temps ça quand je commence une toile. Surtout des partenariats pour vous dire quel point c'est nickel. Après, on a chacun sa façon de faire, chacun à sa pose, hein, de diamant. Donc voilà. Il n'y a aucun déchet. Donc, j'ai oublié de vous dire, les diamants de chez Mythophasia sont en résine. Voilà. Désolé, j'ai oublié de vous dire, c'est maintenant que j'y pense. Donc, voilà. Bon, bah moi j'ai plus rien à vous dire. Si niveau du livre, j'ai pas fini. Ben, de comment il s'appelle? Laurent Mauvignier, là. Je sais plus le titre. Mais au salon, j'ai toute la flemme d'aller le chercher. Ça fait 3 jours que je lis pas. Je pense que demain matin, sur les lectures, si j'ai pas besoin de courir. Ben, au centre-ville. Encore là, ça j'ai de la chance parce que j'ai pas le repas préparé ce soir. Ouais, on a joué les flemmards, les feignards, ce que vous voulez. Faut savoir que tous les mardis en bas de chez moi, il y a un marché et qu'il y a un marchand de poulet fermier. Hein. Je pense qu'ils sont fermiers. Vous voyez, qui sont sur la broche et tout, et des patates et tout. Donc elle m'a dit, tu prends la moitié d'un poulet, parce que un poulet, ça fait trop pour nous deux. Vous allez me dire, ah, mais il y a le chien. Alors mon chien, il mange, hein. Il mange avec nous, mais un demi-poulet, ça fait
Malgré qu'on soit 2,5 si je compte le chien, on fait 2 voire 3 repas. Parce que moi j'ai un appétit d'oiseau, ma mère elle mange pas, elle mange normalement. Hein. Voilà. Non mais j'aime bien ce stylet. Ouais, je sais, je devais vous laisser, puis finalement je papote. Mais bon. Ouais, ce que vous devez vous y faire, c'est comme ça. Semaine prochaine. Donc, semaine prochaine, on sera la semaine. On sera la semaine du 15 janvier. Déjà, ça passe vite. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ma mère, elle va travailler hein, toute la semaine. Semaine prochaine. Moi, je vais à la maison parce que j'ai pas de rendez-vous la semaine prochaine. Parce que oui, il faut que je vous explique aussi quelque chose après. Une anecdote, hein, en soi. On peut dire une anecdote. Je rigolais pas. Hier matin, je ne rigolais pas. Hein. Semaine prochaine, j'ai rien. Les courses, non, on les fait qu'une fois par semaine. Là, on a le congé qui est plein parce qu'on a de la viande, mais je pense que ma mère va la cuisiner ce week-end. Donc, vendredi soir, en plus, vers 19h30, il faut que je vide le frigo et tout. Parce qu'ils viennent, je verrai la veille, ils vont me dire vers quelle heure va passer le livreur. Hein. Pour qu'ils puissent vider le frigo. Pour qu'ils puissent amener le frigo, parce que on a pris le frigo chez Boulanger. Du coup, ils nous livrent samedi et ils reprennent l'ancien. Parce que vous allez me dire, ouais, t'aurais pu prendre sur Amazon si t'as le Prime et tout. Alors, faut savoir que j'ai Amazon Prime. Donc, j'ai pas le Prime vidéo. Hein. J'ai juste Amazon Prime Internet, quoi. Et du coup, sur Amazon, le problème qui se pose, c'est que ils vous livrent pas dans la pièce. Enfin, dans votre appartement, quoi. Et nous, on habite au 8e étage, sachant que le frigo ne passe pas dans l'ascenseur, que ma mère ne peut pas porter de poids trop lourd. Donc un frigo, vous voyez, je vous laisse imaginer là. Je pense que vous savez combien ça pèse un frigo environ. Et du coup, ben voilà, et ils reprennent pas l'ancien matériel, donc l'ancien frigo. Donc nous, c'était très problématique, donc c'est pour ça qu'on a pris chez Boulanger pour la première chose. Et la seconde chose, c'est que Amazon, c'est pas des marques entre guillemets françaises, genre Samsung. Là, je sais plus ce que c'est qu'on a pris, mais c'est une marque française. Chez Amazon, si vous voulez un frigo Samsung, vous l'avez à quoi? 950 000 euros, quoi. Donc, voilà. Et au moins, chez Boulanger, c'est une marque entre guillemets française. Et et bien on a un boulanger à côté de chez nous. Donc si on a un problème, et bien ce sera moins chiant. Donc je ne fais pas de la pub pour Boulanger. Je n'ai pas de partenariat avec eux. Ce n'est pas un placement de produit. Hein. Ma mère, le frigo, l'a payé avec ses sous. Elle est partie tout le mois gagner.
Je préfère me dire, j'ai que ça comme bon. Est-ce que j'ai du 7? Non, j'ai pas de 7, j'ai pas de 8, et on va faire le A. Là, et puis je pense qu'après je vais vous laisser. Attendez, juste regarder. C'est bon, je regardais l'heure parce que maintenant on rentre hein, le soir. Hein. Donc. Je surveille pour préparer, quand même faire réchauffer le repas, hein, même si c'est déjà du tout prêt qu'il y a juste à mettre au micro-ondes, mais bon. On m'a dit le A. J'adore cette couleur. C'est du 554. Alors, je vais pas mettre 3 tonnes parce que je n'ai pas des masses à poser. Donc voilà, donc semaine prochaine, je vais rien avoir d'important à faire, je n'ai pas de rendez-vous. Et je vais arriver à mon anecdote d'hier, quand j'étais chez l'anesthésiste. Avec ma mère, on ne sait pas où est-ce qu'on a mis mes papiers pour mon. Comment dire, c'est même. Je vais dire opération, mais ce n'est pas une opération. Et on a perdu tous les papiers, mais tout non, j'ai juste retrouvé. Vous savez, comment c'est une opération quand vous êtes hospitalisé, ils vous demandent test PCR, l'ordonnance de ça, c'est tout ce que j'ai retrouvé. Et je savais pas à quelle heure j'avais rendez-vous. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, oh, 14h, 14h30. Hein. J'appelle à 9h, parce que bien sûr, le secrétaire commence qu'à 9h. Et elles me disent, ben madame, donc elles me disent mon prénom, mais elles me demandent mon prénom, mon nom, donc je dis, je m'appelle Sophie, je lui donne mon nom de famille. C'est à 10h ce matin que vous avez rendez-vous. J'appelle mon taxi. J'ai dit oui, excuse-moi de te déranger parce qu'on me tutoie. Mon taxi, ça fait des années qu'on travaille avec lui. Il faut que tu viennes me chercher. Pour aller où? J'ai dit ben. À l'hôpital. À tel hôpital. Il t'a rendez-vous à quelle heure? Je lui ai dit 9h. Il me dit aujourd'hui. Non, je lui ai dit 10h. Il me dit aujourd'hui. J'ai dit oui, aujourd'hui. Il m'a dit, mais je peux pas. Attends, je vais essayer de te trouver quelqu'un. J'étais en pyjama. Hein. Je me suis habillée. À 9h10, il m'appelle. 9h05. Il me dit, j'espère que t'es habillée. Oui, je suis à moitié prête. Là, juste à mettre mes chaussures. Ok, mon collègue vient te chercher dans 10 minutes. Je suis partie, pour vous dire. Sans me brosser les dents. Encore 11 millions, c'est pas trop grave. Sans me coiffer. Donc après maquillage, mon corps, parce que je n'en mets pas. Désolée, je vous ai fait bouger. Et je suis arrivée à 9h51 et on était parti à 9h30 du coup. Et on a rigolé, on a rigolé. Alors non, avec ma mère, ça fait 2 jours qu'on rigole, Enfin, on en rigole, parce que voilà, nous, ça nous fait rire, on y prend au second degré. Et ma mère fait du soutien scolaire, et dimanche,
Donc je ne suis pas raciste, hein. La preuve c'est que ma mère prend des petits maghrébins en soutien scolaire, on les adore, c'est... Voilà, hein. Et du coup, ma mère dit, Malik, combien fait 9 x 9? Ou c'est parce qu'il nous sort le gosse? Non, elle lui dit 7 fois. Ouais, bon, bref. Je ne sais plus ce qu'elle lui a demandé, et il s'était trompé. Et après, elle lui dit, combien ça fait 9 x 9? Et ou c'est parce qu'il nous sort 81. Ma mère dit, répète. 81, c'est quoi ça, ce chiffre 81? Alors, elle écrit 81. Elle dit, dis-moi ça, 81. Et non, c'est pas 81, c'est 81. Ah, désolé. J'ai une glaire de coincé, toujours coincé, c'est pas grave. Et on a ri. Et hier, dans le taxi, il y a une dame qui appelle. Oui, bonjour, c'est pas mon beau-père. Il faudrait qu'il sera à 9h à tel endroit. Le taxi me regarde. Il me file la tête, faire dire OK le français. Et pour vous dire à quel point on n'est pas raciste, c'était une Française qui parlait. Alors quand je lui ai dit, non, c'est pas vrai. Il m'a dit, mais les gens ne savent plus parler. Donc après, on parlait un peu des soucis avec l'essence et tout, qui augmentait tout. Et il y a quelqu'un qui l'appelle, oui, vous pouvez venir me chercher. Il dit, non, je peux pas. On est deux chauffeurs à travailler par jour. Parce que lui, il n'a pas de voiture électrique. Parce que ça coûte une blinde, comme il dit, moi j'ai pas les moyens. Donc il tourne à deux chauffeurs par jour. Après, ça se comprend. Donc voilà. Eh bien, écoutez. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, que les diamants se posent bien. Hein. J'aime bien quand c'est des poses agréables comme ça. Ah oui, il y a des écarts. Hein, mais bon, moi, je m'en fiche. Les écarts, ça ne me dérange pas tant que le diamant ne pop pas. Après, il va me falloir ma tablette lumineuse. Parce qu'il y a des lettres, j'arrive à les deviner, mais le K, c'est surtout le K qui me pose problème. Donc voilà. Bon, moi je vais vous laisser cette fois-ci. Hein. Parce que j'ai des choses à faire, ça fait une heure que je tourne. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à faire, à vous dire. Donc je vous mettrai tous les liens. Les choses à faire, puis pour tout vous dire, j'ai très mal au cervical de faire du DP. Donc je vous ai dit ça. Il faut que j'envoie un mail à Mitophasia pour leur dire que, enfin, quand j'aurai mis la vidéo en route, en ligne. Parce que si jamais, j'espère qu'ils voudront. Hein. Alors moi, je fais pas ça pour avoir des toiles gratuites. Hein. Parce que si je veux des DP, je m'en achète. Je fais ça pour vous montrer à quel point c'est bien. Vous donner les points positifs, les points négatifs. Je ne gagne rien. Mis à part la toile qui m'est entre guillemets offerte. En vrai, je vous fais juste la pub
de la boutique. Donc les mitophasia, c'est nickel. On n'entend pas le pop, le ploc. C'est très bien. Attendez, j'ai un doute. C'est bien du jus. Oui. La fille qui regarde après avoir posé presque une centaine de diamants, si c'est bien la couleur. Si c'est pas trompé le symbole. Non, c'est bien le jet que je suis en train de faire. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser. Je pose celui-là. Et voilà. Donc, je vais vous la mettre cette semaine. Hein. On est mercredi. Je vais peut-être essayer de vous la mettre pour vendredi, du coup, pour le 13. Je vais faire le montage ce soir. Donc là, vous allez dire, mais comment tu vas faire? T'as plus le papier? C'est rien. Qui vous a dit que je n'avais plus de papier? Papier parchemin de chez Mitophasia que j'ai coupé. Vous allez voir la magie. La magie. Vous êtes prêts? Hein? Après, je vous montre la pose. Magie, magie. Voilà. Bon. Arrête de faire l'imbécile. Et montre-nous le résultat. Alors. C'est rien, c'est mon aimant qui s'est cassé la figure sur moi. Voilà, vous voyez, donc j'ai pas tout fait. Hein. Vous voyez, c'est le cas qui me pose un petit peu souci. Mais sinon, ouais. Ça peut le faire. Mais du coup, moi, ça m'a donné envie de faire du DP. Je vais voir quelle heure il est. Mais du coup, ouais, je vais. Non, je pense que je vais faire mon montage vidéo. Je vais mettre dans mon lit, j'ai très mal au cervical en plus. Donc, je vais protéger ma case. Je vais mettre les mains en plus, comme ça. Peut-être mettre là. Voilà. Vous voyez, c'est protégé. Moi, je m'en sers pas mal de leur papier comme ça. Donc voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je remercie encore une énième fois Mitophasia pour ce partenariat. Je suis ravie, j'adore. Bon, alors. Hein. Vous pensez bien que déjà, ma mère a envie de prendre l'autre, là, celui que je lui ai fait. Moi, je vais peut-être prendre celui-là. Après, il y en a un. Maintenant, vous ne verrez pas l'unboxing, donc je ne vais pas vous spoiler. Vous n'aurez pas vu l'unboxing, je pense pas. Ah si, si, on l'aurait vu aujourd'hui. Quand je vais le faire, on sait déjà où est-ce qu'on va le mettre avec ma mère, dans les toilettes. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'arrête de blablater, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!